Bien, bonsoir. Ok, toujours ça va pas sa chaîne, ça va être vidéo publique et tout, etc. C'est route du métro de Montréal, tu vois. Ça a donné que j'ai décrit sur une miniature fan à mon compte, ok? Une miniature fan sur la ligne verte. Puis ça se passe aux alentours de 20h30, ça allait jusqu'à 20h45 environ, 20h50. Puis sur la ligne verte, mais ça s'en présentait. Fait que là, ça commence genre, je rentre bien ma soirée, puis je donne des douleurs pour rentrer. Puis pour le moment, si ça passe, j'ai l'impression du chef. Fait que c'est comme deux fois. Soit je prends la ligne bleue, je passe à Michel, puis je monte à 37. Dans les circonstances, quand j'ai des entraînements, je sors les gars, ça va être sur la webcam, puis je sors les lettres, puis je monte sur la chambre. Fait que là, sur les circonstances que j'ai sur la ligne verte, très très fatigué en même temps, fait que là, j'embarque à Virucam, avec les stations, ça va super bien. Puis là, ça arrive, 30 matchs, c'est en tête. Puis en tout cas, c'est très fatigué. En fait, vous avez vu ces derniers mois là, il y a un arrêt super brusque là. Là, quand tu perds une c'est fort, tu fais sa transaction, tout va bien. Puis après avoir fait sa transaction, il referme les portes. Puis là, habituellement, le métro ça devrait avancer après une demi-seconde, ça devrait commencer à rouler, mais ça roule pas. Donc là, il rouvre les portes, il les referme. Puis là, quand ça a pitonné, puis commence à jouer avec les portes, genre ouvrir, les fermer, ouvrir, les refermer. Fait que là on se dit, il y a sûrement un problème avec les portes. Fait que là, genre, après quelques essais, le chauffeur il nous dit, si vous voyez une porte ouverte, avisez-le moi, genre, via l'intercom. Fait que là, tout le monde regarde, ça donne que dans notre wagon, il n'y avait rien. Puis là, c'est, il ouvre les portes, puis là, on reste crevé, en parenthèse, c'est crevé, là, parce qu'il fait chaud quand même dans le métro en Floride. Fait que là, on est là, puis il refait un deuxième test, ça marche pas. Fait que là, il appelle chef d'incendie ou les démarches de la STM. Puis en faisant les démarches de la STM, nous autres, on perd du temps, puis ils signalisent qu'il y a une phase sur la ligne verte en direction de Noré-Beaugrand. Fait que là, on attend, ça fait 5 à 7 minutes, puis il y a un homme chaud qui commence genre à marcher genre sur tous les wagons, puis lui il en maudit pas mal parce que je crois qu'il aime pas la scène du tout là. Ils sont pas plus de moral, mais je pense qu'il est que c'est un service de marque et tout. Moi je t'aime ma musique, mais vu que c'est une fan, j'ai arrêté ma musique puis j'écoute tout ce qui se passe. Là, ça donne que lui écrit que vous avez un service d'amour de la SM, puis blablabla. Puis là, ça frise tout le monde. Parce que quand le monde entend ça, etc., on nous entoure d'une 150aine dans un métro en soirée. Fait que là, il sort. Quand je dis il sort, ça veut dire la moitié des usagers, ils sortent, puis ils croient qu'ils vont aller en autobus parce que ça va être une panne générale, whatever. Là, on attend, ça fait une dizaine de minutes, puis il y a pas mal de monde qui quitte. Puis en fin de compte, en fait d'une quinzaine, vingtaine de minutes, il y a le chef d'incendie qui passe. Puis le chef d'incendie, ce qu'il fait, il rentre dans la SM, ils ont trouvé le problème, c'était où. Et là, le chef d'incendie intervient, il demande aux usagers de mettre dans 2-3 ans quelque chose de même. Okay. Fait que là, après une vingtaine de minutes, on rembarque enfin. Là on continue jusqu'à Joliette, jusqu'à je sors. Puis deux wagons dans le ventre de moi, c'est là où il y a eu genre la porte qui est à moitié ouverte. Fait que là tout ce que je vois c'est le chef d'incendie qui est là-dedans, puis qui est en train de veiller à ce que personne rentre dans le wagon, puis que le wagon aille vite. Puis dans le fond c'était une super bonne initiative. J'ai perdu 20 minutes de ma soirée, juste à attendre. Puis c'est pas un service, c'est pas un interconflit de service de toutes les lignes, c'est juste sur une vingtaine de minutes, là. Fait que l'affaire qui a comme
c'est les usagers, là, je vous comprends juste pas. C'est quoi votre problème de critiquer la STM dès qu'il y a une petite panne ou quoi que ce soit? J'ai juste perdu 20 minutes de ma vie. C'est à rien, là. Puis il y a du monde qui nous ont commencé à chialer, puis qui sont partis, puis Mr. Show, là, qui commence à crier dans le métro que ça risque de marde. On s'entend que la ligne verte, c'est la ligne qui date des années, c'est genre le premier, quand René Lévesque ou président des années, je ne sais combien, qui a inauguré le métro, c'était la première ligne. C'était la première ligne. Fait que s'il y a des problèmes sur la ligne verte, la santé. Puis, il y a une madame qui a commencé genre, à parler avec son autre ami qui disait « Mais pourquoi il parle pas juste le train, genre, que la porte reste ouverte et que qu'on aille à l'autre station parce qu'ils sont en retard, en parenthèse. » On est en fin de soirée, les madame, monsieur, vous rentrez chez vous, vous êtes pas en retard. Désolé, là, mais vous êtes pas en retard. Fait que là, eux autres sont comme laisser les portes ouvertes, puis aller à la prochaine station, ou continuer jusqu'à l'autre bout. Reste qu'il y a environ 3 ans, s'il me semble, sur la ligne verte, ça se passait aussi. Il y a un usager qui a filmé la porte grande à moitié, ben, 3 quarts ouverte, qui a filmé ça, qui a filmé ça sur YouTube, puis ça a pas mal fait jaser. Fait que là, c'est pas mal à cause de ça que la STM, ils ont pas une tête de cochon genre qui vont aller jusqu'à l'autre station avec les portes ouvertes. C'est quand même pour notre sécurité et tout. Fait que ça donne juste que genre à soir c'était une grosse. Ben, c'était pas une grande soirée du tout là, mais c'était juste une vingtaine de minutes que je vois le monde de Montréal genre changer à propos genre de la STM. La semaine passée, ils nous ont fait des excuses et tout, puis moi, pour être franc, je suis moitié Laval-là, moitié Montréalais. Puis, je vais vous dire, le transport en commun, c'est toujours la meilleure affaire. C'est sûr, certains qui ont des pannes, arrêtez de commencer à juger, puis à critiquer que la STM font pas une bonne job, puis que ça se passe toujours en train de voir, que ça se passe toujours à l'heure des points, tout, fait que... Parfois, je trouve que genre la STM devrait avoir un genre de petit break, puis qui continue genre à nous donner quand même des bons services, genre on attend en 2014 quand même des nouvelles voitures et tout, pas clair. C'est ça. Fait que, je vous laisse en vous disant, ça, c'est un enjoy.